Une convention a été signée entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le lycée Charles de Gaulle. L'objectif du partenariat est de soutenir les initiatives du secteur privé et apporter une importante contribution aux communautés ainsi qu'à l'accroissement de l'économie en Côte d'Ivoire. Les femmes représentent une part importante de la population africaine et en les encourageant à créer et à diriger des entreprises, stimuler ainsi l'innovation, la création d'emplois et le développement économique dans la région. Une étude de la Banque africaine de développement a révélé que si les femmes participent à l'économie au même niveau que les hommes, le produit intérieur brut de l'Afrique pourrait augmenter de 25% d'ici 2025. La promotrice de l'entrepreneuriat, de manière générale, non, et de l'entrepreneuriat féminin en particulier. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cheval de bataille du président d'abord actuel, mais la Chambre de commerce l'a toujours fait. Sauf qu'aujourd'hui, on entre dans une période dynamique dans le pays où tout le monde doit contribuer actuellement sous les auspices du président de la République à la croissance économique. Le projet concerne plusieurs milliers de femmes entrepreneurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien et s'accentue sur l'alphabétisation en langue française et une initiation à l'anglais des affaires.